Le Bénin peut gagner ce match si le coach joue ses atouts de la fois passée. Si le coach essaie de faire le bon classement, mettre nos joueurs potentiels sur le terrain et qu'il débute le match au lieu de faire un remplacement à la dernière minute comme il l'a fait la fois passée pour qu'on égalise le but. La probabilité que le Bénin gagne, elle est très forte parce que à voir les joueurs de Rwanda, ils ne sont pas en forme en tant que tels. Match perdant, maintenant encourager Henri Mitolé. Même supporters béninois, maintenant encourager. Là, nous on déjà gagné, ben. Des joueurs, mais des bon. Peut-être que mon défaut peut pas être. Nous les maintenant dans Wendo, à quoi nous mettons nous place ici. Boni, il y a nous coupable, nous pas meilleur minimum. Là ici, là. Avant que nous ne soyons pas là, nous ne sommes pas là. 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 Donc, il y a une deuxième partie où le ballon doit changer. Maintenant, le classement est posé. Maintenant, les demain, nous sommes en train de faire direct. Au début, 2-0 est quand même. Mais il y a un taf, mais il concerne au moins 3-1, mais il y a un taf. Donc, on a décidé, mais Benin doit faire 2-0. Il y a un taf, mais il y a un taf. Nous avons un monde de match dans le Benin contre Rwanda. 3-0. Benin a tout possiblement gagné Rwanda 3-0 et il a l'avantage. L'entraîneur a fait un bon classement d'Agbo. Le classement d'Agbo est au Rwanda parce que le Rwanda, bon, tu vois, il compte avec lui, il est 5 perdus. Il y a un peu de pépé et il y a un peu de force. Il y a 3-0, il y a 4, il y a un peu de force. Le Rwanda va gagner, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Mais le Rwanda va gagner 1-0, soit ils vont faire match nul. L'opportunité que Benin avait pour le match passé, il a déjà perdu ça. Bon, même aujourd'hui, je ne suis pas sûr.